Allez. T'endors pas, Fredo. On a encore de la route à faire. Fais pas, là. J'ai fait la pause café, je peux tenir le choc jusqu'à Montélimar. Bon, vu qu'on n'est pas de brouillard. On verra bien. Et en attendant, mets toujours route de nuit. Ça nous fera passer le temps. Et, amis routiers, souvenez-vous que les camions Souchebir sont les seuls camions équipés de sièges Louis XVI à pied galbé. Camion Souchebir, un vrai plaisir. Et maintenant, amis routiers, un peu de musique. Vous allez écouter le premier mouvement du quatuor numéro 600, si bémol majeur, opus 18, de Ludwig van Beethoven. Tu diras ce que tu voudras, Fredo, mais dans cet Allegro de Beethoven, on retrouve encore vachement l'influence d'un Mozart. Faut dire que c'est la période charnière de l'évolution beethovenienne. Oui, je sais bien, mais avoue que c'est plus sensible dans l'Allegro que dans l'Adagio. Hein. Ouais. C'est en filigrane, quoi. Bah, par le fait, c'est sa deuxième manière à Beethoven. Dans le premier thème, il fait un large exposé. Alors forcément, dans l'Adagio Manon Troppo, quand le premier violon et le violoncelle, ils attaquent à l'unisson, eh ben, on sent déjà que ça va s'épanouir en contrepoint. T'as raison, on sent. Tu sais, comme le disait Delacroix, dans le Beethoven des quatuors, on respire déjà la mélancolie qui trahit un feu intérieur. Je l'ai pas vu, celui-là, avec son scotter. Allez, deux roues, faut se le goinfrer. Oh, c'est pas vrai. Tiens, tiens, écoute le pianissimo, dit, si c'est enlevé. Amis routiers, pour vous rappeler que Beethoven ne connaissait pas la gamme. La gamme, il ne connaissait pas la gamme des camions Souchebir, bien entendu. Et souvenez-vous, camion Souchebir, un vrai plaisir. C'est ça. Tous ceux qui commencent sérieusement à nous bassiner avec leur publicité. Hein. Oh, t'as raison. Ils ont coupé juste au moment de la montée chromatique. Ouais, le plus beau passage, ouais, quoi. Je pense bien, c'est le passage en la bémol mineur, deux altérations à la clé. Ouais, exactement. Enfin, comme ça, c'est comme ça. Ouais. C'est du Bach, maintenant. Ah oui, c'est du Bach, c'est pas du Verschuren. Qui c'est qui joue, là? C'est François Chombier, ça, hein? François Chombier. Eh ben... T'as vraiment un portefeuille. Oh, hein. François Chombier, tu reconnais pas l'attaque, c'est Adrien Flambard. Allez. Ah, Chombier, il joue plus mou dans les aigus, quoi. Ouais, 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 t'as peut-être raison. Bah, je veux, ouais, j'ai raison. Chombier. Le samedi dernier, j'ai de nouveau emmené les mômes à Saint-Louis des Invalides. Entendre Dupré. Ah, oh, il est bien Dupré, hein. Ben, comment qu'il est bien? C'est un client, celui-là. Oh, c'est quelqu'un, oh, hein. Dupré, il fait le poids, hein. Bien, bien. Remarque, je vais te dire, à la réflexion, des fois, dans les motets, tu vois, surtout dans le 16e, je trouve qu'il force un peu sur la viole de gambe. Ouais, ça, des fois, il a la registration touffue. Mais quand il a un bon instrument, comment qu'il se défend? Bien, l'année dernière, avec Memen, on est allé l'écouter à Notre-Dame. Elle nous a fait chialer. Ah, oh, il les étonnera pas, ces phares, cet abruti! Oh, la salle. Oh, ça va pas la tête, non? J'ai dit. T'es pas fatigué, Fredo? Tu veux pas que je te reprenne un peu? Penses-tu? Tu peux oublier si tu veux. Oh, ben non, maintenant qu'on vient de causer, j'ai plus de sommeil. Ah, je vais lire un peu. Qu'est-ce que c'est que tu lis? Peggy. C'est chouette, Peggy, hein? Bah, je vais te dire, surtout, c'est pas lassant. Hein. Oh. C'est Tutur qui m'a donné ce bouquin. Tu connais Tutur? Je vois pas, non. Tutur, bah, le grand rouquin qui fait Paris-Strasbourg avec son 12 tonnes. Ah oui, c'est... Bah, un routier, j'avais réparé son démarreur. Bah, pour me remercier, il m'a filé tout payé. Mais il s'est pas foutu de toi, hein. Ah, tout se value, mais... Qu'est-ce que je me régale. Dis donc, Bébert.
tu serais chouette. Tu sais ce que c'est que tu ferais? Tu m'en lirais un peu, tout haut. Si tu veux. Ouais. Je suis Jeanne la pure. Je suis faite pour respirer la fleur des champs. Faite pour entendre le vent dans la branche du Seigneur. Faite pour tremper la soupe de mes frères et broder la chasuble de mon père putatif. Est-ce que t'interprètes bien Peggy, bébé? Je suis l'arbre dressé dans le vent de la chrétienté. Je suis la montagne mystique où pousse l'olivier de l'éternel. Je suis la pierre blanche où repose la tête du voyageur. Je suis le souffle de la vérité. Je suis l'agneau bêlant contre le flanc de l'église. Et saigne mon cœur et pleure mes yeux. Et s'ouvre ma bouche pour crier la peine du monde. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, frère? C'est tellement triste, ton pays, tu sais. J'ai choisi le passage le plus marrant. Non, il vaut mieux que t'arrêtes parce que... moi, je vois plus clair, hein. Mais je suis glace. Moi, ça va me passer, mais il faut que je me ressaisisse. Ouais, c'est tout. Il vaut mieux que t'arrêtes, puis voilà. Oh, bah voilà, ça. Fredo. Ouais. Tu m'aimes ?